Chers amis, bonjour. La proximité du match de Nice et de Lyon, bien sûr, est très intéressante comme perspective pour Michel Derzakarian. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce baromètre, cet excellent résultat obtenu par son équipe samedi soir dernier. Et bien sûr, il faut souhaiter, vivement souhaiter, que cette même formation parvienne à sortir la même partition contre une grosse cylindrée, une de plus du championnat. L'Olympique lyonnais, c'est le moyen pour Michel Derzakarian de véritablement lancer la saison et surtout de bonifier son excellent premier résultat à la Mosson. Ah, mais bien sûr, on a fait une bonne prestation, comme je t'ai dit tout à l'heure. Après, il faut rééditer les performances, être régulier dans ce qu'on a mis en place contre Nice. Il va falloir faire un gros match parce qu'on ne joue pas une petite équipe encore. On joue une équipe qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions, qui a des gros automatismes, qui est une bonne équipe avec des très bons joueurs. Il va falloir qu'on ait un niveau très élevé à nouveau pour leur poser des problèmes, pour les bousculer, pour faire un bon match et pour prendre des points. Alors vous me direz, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle de la veille, mais on aimerait bien quand même que cet adage ne se vérifie pas, surtout pour celui qui garde un excellent souvenir la saison dernière de ce match contre Lyon au stade de la Mosson, grâce à son but stratosphérique que nous avons tous longtemps gardé dans nos esprits. Arnaud Souquet, bien sûr, avait à cette occasion-là marqué un but que personne n'a oublié. Alors bien sûr, pour lui, c'est un match un peu particulier, c'est un match qu'il souhaite bien sûr remporter comme le précédent. Ouais, Lyon c'était un bon souvenir, je pense que c'est un bon souvenir pour tout le monde parce que l'année dernière quand on les reçoit on n'était pas non plus au mieux, eux ils arrivaient, ils étaient en pleine bourre, après voilà, je pense qu'ils savent aussi ce qui les attend, nous on sait qu'à domicile on est bon, on va bien récupérer pour pouvoir remettre beaucoup d'intensité et d'envie, on a l'avantage d'avoir 5 changements, d'avoir un banc aussi qui a apporté beaucoup de bonnes choses sur le match de Nice, ça amène de la fraîcheur, ça amène de la concurrence, donc c'est bien, et puis de toute façon, il va falloir compter sur eux, parce qu'aujourd'hui, avec les 5 changements, on peut se permettre de faire entrer beaucoup plus de joueurs. C'est bien ça, non pas pour valoriser la victoire contre Nice, mais pour la bonifier. C'est contre l'Olympique Lyonnais ce mardi, à partir de 21h, et particulièrement au stade, ou bien sûr, sur le Facebook Live du MHSC. Rendez-vous à tous, mardi soir.